La commission, dans le cadre de cette visite au Mali, a eu le plaisir de rencontrer un certain nombre d'acteurs à Bamako, mais également à Gao. Il est important d'aller au-delà des centres urbains pour voir les autres partenaires. Je crois qu'il se dégage de cette visite un sentiment assez clair d'un problème qui persiste au niveau de la consommation, un problème important. La jeunesse de la région, et ce n'est pas une surprise, a été touchée, comme à travers l'ensemble de la sous-région. Elle l'a été notamment à l'occasion de ce trafic qui s'est manifesté dans le cadre de la présence de ces groupes qui ont généré de l'insécurité et qui ont pris de contrôle un certain nombre de ces villes, Gao, Tombouctou, Kidal. Mais également, il y a un sentiment d'irrésolution. Certes, les groupes ont été chassés, poussés, mais ils sont loin d'être défaits. À ce stade-là, je crois qu'il faut avoir énormément de précautions. Nous avons vu l'occasion d'avoir des réunions également avec les membres de l'opération Serval, avec les membres de la société civile, les anciens de la ville, les jeunes de la ville. Tout le monde est clairement encore dans une phase d'attente.